Nous allons réaliser un foie gras au micro-ondes. Vous avez bien entendu et vous allez, j'en suis sûre, épater vos invités. Pour réaliser notre foie gras au micro-ondes, il nous faut bien sûr un foie gras frais. Pour savoir comment déveiner un foie gras, regardez notre astuce. Nous aurons besoin pour cette recette de foie gras au micro-ondes, d'un foie gras, donc ici il fait à peu près 500 g. Donc en plus du foie gras, nous allons avoir besoin d'assaisonnement. Pour savoir comment assaisonner un foie gras, il faut compter tout simplement 15 g de sel par kilo et 8 g de poivre par kilo de foie gras. Donc ici nous avons 7 g de sel, 4 g de poivre et puis un peu de piment d'Espelette et du Porto pour le goût. Vous pouvez assaisonner le foie gras à votre convenance. Si vous avez envie de mettre du 4 épices, n'hésitez pas. Alors pour réaliser notre foie gras au micro-ondes, tout simplement, on va installer le foie gras au fond d'une terrine. Donc bien sûr, un récipient qui convient pour le passage au micro-ondes. Donc on sale et on poivre. On mélange un peu. Et on ajoute un peu de piment d'Espelette et du Porto. La moitié de la quantité que vous souhaitez mettre. Et ensuite, on continue. À la cuisson du foie gras. Pour cuire un foie gras au micro-ondes, on retient une astuce. Il faut que la lame d'un couteau plantée à l'intérieur du foie gras ressorte tiède. Donc là, nous avons environ 500 g de foie gras. On va commencer par une cuisson toutes les 30 secondes. Je pense qu'il faudra 1 minute 40 pour cuire cette quantité de foie gras. Comme nous sommes dans une cuisson au micro-ondes, il faut de toute façon y aller petit à petit et non pas cuire par exemple 2 minutes d'un coup, sinon vous risquez de rater la recette. Voilà, notre foie gras cuit pendant environ 1 minute 40 par tranche de 30 secondes et on vérifie avec la pointe du couteau, c'est bien tiède. Donc on remarque que le foie gras ne rejette pas énormément de gras, c'est normal. La prochaine étape va être de poser un poids léger sur le foie gras. Donc on va le laisser refroidir tranquillement à température ambiante et une fois qu'il aura redescendu en température, on va le placer pendant 3 jours au réfrigérateur. La graisse va s'échapper, c'est normal. Qu'à patienter. 3 jours se sont écoulés, allons voir à quoi ressemble notre fameux foie gras au micro-ondes. Donc on avait posé un poids dessus et on avait mis un film alimentaire pour protéger le foie gras. Voilà, donc avec cette recette, en général le foie gras fait peu de gras en surface et donc on peut récupérer un peu le gras et l'étaler si on le souhaite. Pour découper votre foie gras, je vous conseille un couteau dont la lame a été réchauffée sous un filet d'eau chaude. Notre foie gras au micro-ondes est à présent servi sur des toasts. Vient le moment d'épater la galerie. Qui veut du foie gras? Nous. Joyeux Noël. Merci. Vous avez aimé notre recette de foie gras au micro-ondes? N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne.